Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on fait le tour de l'actualité régionale, nationale et quelquefois on va faire un petit tour à l'international. Et on en discute, on y réfléchit, on donne notre opinion et on réfléchit avec vous. J'espère que ça vous plaît. Mais je ne peux pas réfléchir seul. J'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin d'un guide, d'un maître, d'un phare. Et j'ai M. Jules Simard avec moi qui va nous éclairer de sa sagesse légendaire. Ça va bien? Ça va bien, toi? On va numéro un, ça va numéro un. On est à quelques semaines de l'hiver. De la fin de l'année. Non, l'hiver, sais-tu, elle est amorcée. Techniquement, c'est le 21 décembre. La semaine dernière, je jouais ton rôle la semaine dernière et justement, j'ai abordé la discussion comme on fait quasiment tout le temps avec la météo. Ah, on aime ça. Donc, ben, c'est ça, fort probablement le sujet le plus discuté. Ah. Hein? Lorsque deux personnes ou trois ou quatre personnes se rencontrent, c'est la première. Surtout quand et on ne se souvient jamais de ce qu'était la température l'année d'avant quand on en parle. C'est clair. Mais tu as raison. Mais on en parle surtout quand il fait, mettons, des moins 30 à mi-novembre. Ouais, là, oui. Oui, ça, là, tu es obligé d'en parler. Oui, c'est l'hiver, on est dedans. Et aussi, le mois de décembre arrive. Et qui dit mois de décembre dit élection partielle le 10 décembre dans le comté Roberval pour remplacer l'ex-premier ministre Philippe Couillard. Hier, donc, la campagne, on va parler de la campagne, mais on va plus spécifiquement parler du débat qui a été organisé par nous-mêmes ainsi que les autres médias locaux, là, Planète Radio ainsi que les hebdos locaux, Nouvelle Hebdo, entre autres, qui regroupait tous les 7 candidats quand même que les gens ont le choix. Un débat. Je pense que c'était plus une vitrine pour montrer à la population qui étaient les candidats, qu'est-ce qu'ils avaient à proposer. Moi, j'ai trouvé la formule là, idéale. Oui. Sais-tu? Non seulement pour une émission de télévision, là, pour faire intéresser les gens, mais tu sais, il n'y a pas eu de cacophonie. Ouais. Tu sais, comme c'est quoi un débat, là, tout le monde parle. Non, ça a permis de faire en sorte que tous les candidats et les candidates ont pu exprimer sur des questions très précises leur, non seulement leur opinion, mais des engagements de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il y a à faire. Et on les mettait gens... plus l'emphase sur qu'est-ce que les candidats voulaient faire plus que qu'est-ce qu'ils reprochaient aux autres candidats. Exact. Ouais. OK. Et ça, là, c'est véritablement une formule intéressante où, là, on peut faire, à partir de là, oui, des débats. OK? C'est là qui doit faire le véritable débat. C'est quoi? C'est le citoyen qui a, et la citoyenne qui ont à voter qui, eux autres, doivent se dire, « Ah, tu regardes un tel, moi, oui, ça me plaît. Ça a été, ça permet de l'exposer. » Il y avait la petite cote en dernier où chacun, un candidat pouvait répondre à une question d'un autre et vice-versa. Ça l'a pas amené encore là, par exemple, des discussions, ou pas des discussions, du chamaillage. Là. Ça l'a permis aux candidats de répondre un à l'autre sur des enjeux qu'on voulait qu'ils commettent. Oui, c'est correct, c'est correct. Si vous avez manqué le débat, il était en direct hier sur le web ou en direct si vous étiez sur place, vous pouvez l'écouter. Hein, il est sur notre site Internet de la télévision du Haut-du-Lac. Bon, on va faire un peu le tour de ce qui s'est passé des différents candidats. J'aimerais avoir ton point de vue. Nancy Guillemette de la CAQ, comment as-tu trouvé sa performance? Qu'est-ce qu'elle a à nous proposer? Comment tu fais? Quelle analyse tu en fais? Mme Guillemette a pu exposer, je pense, ce que la direction de la CAQ amène sur l'ensemble des sujets. Elle a récité les divers engagements ou les diverses politiques. Tu utilises le thème récité parce que tu avais l'impression que c'était... Oh oui, on voyait qu'elle avait, à chacune des questions, elle avait eu une... sa ligne était bien était écrite, OK? Okay. Et ça, elle l'a amené lors de tout le débat. D'ailleurs, l'ensemble des candidats se devaient d'avoir des lignes écrites pour pouvoir être en mesure de se donner une réponse la plus logique. Parce que le temps qui était imparti, d'une minute, faisait en sorte qu'il fallait que tu sois assez concis. Ouais. Donc, quand elle dit ça, c'est qu'elle a pu exposer, effectivement,
les points que la CAQ entend mettre de l'avant. Et à des questions quand même assez précises, comme quel est l'engagement que vous voulez prendre à l'endroit des gens. Moi, je maintiens que c'est vraiment la question fondamentale de tout le débat, là, Et elle a pu amener que, bon, pour elle, elle dit, pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait Internet dans l'ensemble de tout le comté. Bon, c'est une forme d'engagement qui a été prise. De sa part, j'aurais pensé qu'elle nous aurait amené quand même un peu plus d'une préoccupation du monde communautaire, mais ça n'a pas été celle qu'elle nous a amenée. Elle nous a amené donc de faire Internet partout dans la oui. Je dois dire que ça, par exemple, c'est des types d'engagements qui sont pris. Ça fait quand même quelques campagnes électorales que je suis. Bien, moi, je reviens sur les libéraux qui l'ont promis il y a deux campagnes et puis qui n'ont rien fait en un mandat, là, en tout cas. Donc, ce point-là, je dois dire, ça lui a permis, effectivement, d'émettre les opinions de la CAQ et d'elle-même, entre autres, sur la question des engagements. Ne m'a pas, outre mesure, là, impressionné de par le discours. Elle semble vouloir voguer sur la vague qui a permis de faire en sorte qu'on est en présence maintenant d'un gouvernement caquiste. D'accord. Luc-Antoine Cauchon de Québec solidaire. Monsieur Cauchon en était pas, ça, lui, à sa première campagne électorale. Sa troisième, il est à la troisième dans le comté. Et il a pu, là encore, lui aussi, amener les points particuliers du programme du Québec solidaire adapté à la région. OK? Moi, j'ai pu reconnaître les idées là-dessus, de la façon dont il les exprimait. Il a voulu aussi porter son discours sur lui-même comme candidat. OK? Les formes d'engagement qu'il entend faire de par sa personnalité, de par son origine, parce qu'il est originaire de Roberval, même s'il n'y habite pas là, il est originaire de ce milieu-là. Donc, il a pu amener des préoccupations que comment est-ce que lui voudrait aller débattre les impôts. Parce qu'il ne faut pas oublier, il sait, il ne sera pas au pouvoir. Okay? Donc, il est dans l'opposition, à la rigueur, et comme député d'opposition, bien, de quelle façon il pouvait débattre et amener des éléments là-dessus. Mais en fait, tous les candidats, à part Mme Guilmette, étaient dans ce rapport-là. Il ne faut pas oublier que, bon, on y reviendra peut-être globalement à la fin, là, mais dans cette élection-là, la question du pouvoir et la question d'être dans l'opposition, pour chacun des candidats, il fallait qu'on se démarque. Alors, par contre, j'ai été surpris de voir qu'il n'est pas abordé, depuis le début de la semaine, il nous faisait soit des conférences de presse ou des choses comme ça, où il parlait, entre autres, de l'agriculture, où il a parlé aussi de préoccupations qui étaient de pourquoi est-ce que Québec solidaire propose aussi la question de l'indépendance du Québec. Et là, bon, il n'y en a pas été question lors du débat. C'est pas la préoccupation numéro un de Québec solidaire, c'est sûr, mais on aurait peut-être aimé l'entendre aussi là, de quelle façon est-ce que Québec solidaire peut amener la question de l'indépendance du Québec. Bon, il ne nous en a pas parlé. Ça n'a peut-être pas été, avec les sujets, le point là, sur lequel on pouvait l'amener. D'accord. Thomas Godreau du Parti québécois. Au niveau de Thomas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a amené comment est-ce que non seulement le parti, pas nécessairement le parti, mais le rôle qu'il pourrait être appelé à jouer au sein du Parti québécois l'amène peut-être à penser que des débats locaux que nous avons ici peuvent être plus portés à l'Assemblée nationale par sa voix. Et c'est ce qu'il a essayé de faire valoir, je pense, dans l'ensemble des interventions qu'il a eu à faire. Et quand on lui a posé la question sur les engagements qu'il voulait prendre, il a été assez clair en disant « bon, ben je veux, oui, être la voix à l'Assemblée nationale et des travailleurs forestiers et aussi oui, c'est la forêt, forestier. Hein, qui est OK? Alors ça, ce point-là, je pense, a permis de voir de quelle façon il pouvait l'articuler. Il a, je pense, aussi un mentor
dans ce domaine-là, OK, qui s'appelle aussi quand même Denis Trottier, qui a été, oui. on le sait, la Charte du bois et ces éléments-là, qui ont été complètement mis de côté à la suite par la venue du gouvernement libéral. Alors, ça permet de le ramener dans le débat et c'est pas vrai que parce qu'on parle moins de la forêt, qu'il n'y a pas de problème dans la forêt. Alors, et quand on parle de la forêt, naturellement, on parle de l'industrie forestière. Je pense qu'il a réussi à démarquer, de par ce type d'engagement-là, une préoccupation du comté et comment est-ce qu'il pouvait aller la porter, même s'il était dans l'opposition. Donc, okay. je pense que là-dessus, il a fait quand même une performance là, que l'on était en droit aussi de s'attendre d'un communicateur. Il a réussi, on sait qu'il est un ancien journaliste aussi, mais comme communicateur, je pense qu'il a réussi à faire passer ce type de message-là. William Laroche, du Parti libéral du Québec. Monsieur Laroche avait, je pense, une prise contre lui au départ. OK, qui est à l'effet qu'il se devait débattre en fonction du bilan aussi des libéraux. Donc, il a amené son discours continuellement, disant, ben oui, les libéraux, on a fait cela, il faut aller poursuivre, puis il faut maintenant qu'au niveau de la CAQ, on s'assure que les engagements, eux, qu'ils ont pris, soient respectés et en fonction des demandes qui sont faites. Je reviens, entre autres, sur la question de la santé, où, il y avait une question qui disait « Qu'est-ce qu'on fait avec la réforme Barrette? Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la… » Naturellement, il n'était pas le porte-parole pour aller dire « On l'a défait. » Non, mais la réforme Barrette n'est pas très populaire en plus. Oui, il y a ça, mais il a été quand même… Il a pu amener que, oui, elle n'était pas parfaite et qu'il fallait, bon, y travailler. Mais quand tu es dans l'opposition, c'est sûr que c'est pas toi qui vas le faire réaliser, ces choses-là. Mais tu peux amener des points à améliorer, et entre autres dans la région et dans le comté Robertval, le fait que, oui, les services de proximité existent toujours. Par contre, les orientations décisionnelles sont maintenant prises ailleurs. Et ouais. Ça a des effets. Pas de problème. Alors, juste pour indiquer que cet élément-là le conduit à être un peu sur ses gardes quand il parle et d'amener des formes d'engagement qui sont peut-être plus difficiles à faire manipuler parce qu'il se doit de tenir compte du bilan des libéraux. D'accord. Alex Tyrrell, du Parti vert du Québec. Bon, on sait que M. Tyrrell a souligné que, oui, il est premièrement le président du Parti vert, qu'il n'y avait pas eu de candidat et qu'il n'y avait jamais eu de candidat du Parti vert naturellement présenté dans une élection dans le comté de Robertval. Et donc, comme président, il est le premier. Il le reconnaît très bien qu'il n'est pas originaire du coin, mais qu'il est quand même préoccupé par ce qui se passe. Et ça lui permet et ça permet de mettre de l'avant certaines idées, entre autres, je prends la question sur le transport collectif, donc même en région, de quelle façon on se doit de l'articuler et de quelle façon il peut être mis de l'avant pour aider à la meilleure gestion des gaz à effet de serre ou ce genre de choses-là. Et ça lui permet donc d'avoir une tribune pour pouvoir l'exposer. Et on le voit, il ne vise pas le pouvoir, mais ce qu'il vise, c'est de pouvoir que ces éléments-là de son programme soit connu et si c'est le gouvernement en place qui reprend, c'est tant mieux. Ouais. Mais au moins de mettre de l'avant dans le. C'est comme ça que le Parti vert a aussi fait progresser un tour de la politique, je pense, en Allemagne, là, avec un peu de députés qui faisaient valoir des points. Et puis, exact, bon. Exact, exact. Julie Boucher, de Citoyens au pouvoir. Ben, moi, ça m'a permis de connaître un peu plus, puis je la suis quand même un peu, l'actualité politique. Mais ça m'a permis de mieux comprendre ce que ce parti-là veut offrir aux citoyens. Et quand on parle d'une démocratie plus proche,
des citoyens avec ces notions de référendum et sur des grandes questions de demander aux citoyens de prendre position. Un peu comme ça se fait en Suisse, là. Exact. Donc, c'est ça nous a permis donc de connaître ça et d'amener certains types de préoccupations. Les préoccupations qui faisaient l'objet de questions, elle les a amenées. Bon, ben oui, il faut que les citoyens soient, oui, consultés et partie prenante de ces décisions. OK. Et finalement, Carl Lamontagne, du Parti conservateur du Québec. Monsieur Lamontagne, premièrement, je pense que tout le monde reconnaisse là, que ce n'est pas un orateur né. OK? Oui. On part avec cet élément-là. Et là, il a tenté d'amener le pourquoi est-ce que le Parti conservateur est dans cette campagne-là pour, comme il disait, rebalancer droite et gauche, parce qu'il paraîtrait que les autres candidats avaient des positions peut-être un petit peu plus gauchisantes. Toutes les autres partis sont plus à gauche, le Parti conservateur. Au départ. Or, il a amené ces éléments-là et il a su aussi dérider la salle avec son QRSS, qui a permis de dérider la salle là-dessus. Je dois dire que le discours est difficile pour lui de faire valoir. Mais beaucoup dans les baisses de taxes. Exact. C'est fondamentalement cela, là, de quelle façon on peut baisser les taxes. Et maintenant, il y a toute la question de couper les services. Donc, ton bilan de la campagne jusqu'à maintenant, là, sur le terrain ou en dehors du débat? Premièrement, le débat a été, à mon point de vue, ce qui a marqué le début de cette campagne électorale. Ouais. Et bravo à nous. Oui, et puis je pense qu'il faut le dire. Ouais. Il faut le dire que les médias d'information, qu'ils soient locaux, nationaux ou régionaux, et les médias d'information ont un rôle à jouer dans le cadre d'une campagne électorale. Et l'organisation d'un débat de cette nature-là aura permis, oui, de mettre, et surtout la formule qu'on a utilisée, de mettre de l'avant l'ensemble des positions de chacun des partis en présence. Ouais. Hey, 7 partis en présence, ça fait un bon bout qu'on n'a pas vu ça. Oui, puis ça fait des belles élections. Oui, mais c'est un peu comme des cartes de visite aussi. Fait que pour le citoyen qui n'est pas certain, il peut avoir une idée plus claire des positions. Exactement. Alors ça, moi, je pense que c'est ça qui a lancé là, véritablement la campagne électorale. Parce que la préoccupation première des citoyens et citoyennes du comté de Roberval au moment où on se parle, c'est l'hiver. Ben non seulement c'est l'hiver, c'est les fêtes, les parties de Noël, puis ces choses-là. Quand tu discutes avec les gens, ben, hey, on a une élection partielle. Ouais! Hein? T'as-tu enveloppé tes cadeaux? où t'en es rendu avec tes cadeaux? Honnêtement, pour faire lancer et même intéresser les gens à aller voter, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le message est lancé. Allez voter le 10 décembre prochain. C'est important. Assurément, assurément. Et donc, ça, c'est le premier, un des premiers éléments là, avec le débat donc, qui lance cette campagne, le fait que les gens sont vraiment peu préoccupés par la campagne électorale, là, monsieur et madame, tout le monde, pour essayer de les remettre devant cela. Ça va peut-être se jouer davantage cette semaine-ci, hein, qui est la dernière semaine de la campagne, où là, on va peut-être voir des gens s'en préoccuper peut-être un petit peu plus à ce niveau-là. On n'a pas non plus une campagne électorale où, comme à la dernière générale, il ne faut pas oublier que tous les candidats et candidates de chacune des parties sont maintenant disponibles pour pouvoir être en mesure d'afficher et de proposer leurs choses. Ils sont sur le terrain, ils peuvent être davantage sur le terrain pour pouvoir rencontrer les gens, même si c'est difficile, comme je le disais tout à l'heure. Ça, là, c'est un gros... moi, je pense que c'est un gros plus de pouvoir avoir donc des candidats d'ici qui viennent... On va avoir beaucoup de candidats dans les centres commerciaux. C'est là que les fêtes vont se faire aussi, là, tu comprends? Ouais. C'est là que tu vas rencontrer les électeurs et les électrices, là, actuellement. Parce que quand tu passes, si tu fais du porte-à-porte, moi, je maintiens que faire du porte-à-porte dans les municipalités ou dans les villes comme les nôtres, où
Si je frappe à une porte, je frappe à une porte, je rencontre une ou deux personnes. Ouais. Tandis que quand je suis dans la région de Montréal, si je frappe à une porte, j'en ai 10 en haut. Donc, j'ai pas besoin de la ressortir. Ouais. C'est, faire du porte-à-porte, c'est difficilement rentable ici, à moins que tu prennes ton faillet puis que tu le déposes dans la boîte à mal puis tu partes. Ouais, tu... là, c'est ça. Tu ne fais pas de politique forte. Hey, on reste dans politique. Debout, il s'est signé une nouvelle politique axée sur l'achat local. Oui. Ça me semble que c'est pas nouveau. Il me semble que c'est un peu la loi. Non, c'est pas nouveau. C'est, par contre, il y a eu des améliorations au niveau de la loi, okay, qui permettent de faire en sorte que, entre autres sur la question de l'achat local, qui permettent de faire en sorte que tu peux avoir une ton différentiel entre une proposition qui vient de l'extérieur et d'un commerce local est un peu augmenté. OK? C'est-à-dire que si j'avais, je sais pas moi, sur un contrat de 50 000 $ d'achat, je pouvais avoir une différence de 2-3 000 $ pour favoriser l'entreprise locale. Ouais. Et l'entreprise locale est à 3 000 $ plus élevée. Puis, ça te permettait de dire oui, je. Alors, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, tu peux peut-être aller jusqu'à 5 000, là, je te donne ça de mémoire, parce que je n'ai pas le texte exact, là, mais jusqu'à 5 000 $ sur des 100 000 $ et plus de contrat, ça permet effectivement de favoriser un commerce localement. Et même si ça dit, ben, c'est peut-être pas de la bonne gestion, hein, tu prends le plus cher dans ce temps-là ou un des plus chers. Mais ça reste un investissement dans la communauté. Qui reste dans la communauté. Mais oui. Qui reste dans la communauté et qui te permet de faire en sorte que tu peux avoir des employés qui demeurent dans les commerces et, ou encore dans les services pour les entreprises de services qui sont ici. C'est ce que ça permet. Moi, je trouve ça, dans un sens, je trouve ça bien qu'on puisse effectivement avoir de ce genre de politique-là pour favoriser, surtout en région. Hein? Oui. Surtout en région comme nous, là, ici, on oublie que quand on fait un achat pour une municipalité, que peut-être que le service après-vente, on n'a pas un de ça, il est là ton service après-vente. Et là, c'est ton commerce que tu as pu favoriser avec un 2000 $ de plus en acceptant sa soumission, ben, ton service après-vente, là, hein, tu l'as, là, il est proche, là, puis la personne. Elle le sait, elle l'a fait fort probablement qu'elle n'a tenu compte dans sa soumission en le donnant. Alors ça permet d'avoir, ce genre-là. En plus, comme on disait tout à l'heure, de faire en sorte que lui ici, c'est un payeur de taxes, ton commerce local. Là. Mais oui, puis ça va plus loin que ça. Là. C'est démontrer que si chaque personne faisait juste un changement dans ses achats de 100 $ par mois, mais favorisait plus le local, ça changerait complètement l'économie, puis on aurait une économie locale beaucoup plus forte. C'est le temps des fêtes, là. Allez acheter vos cadeaux. Ce que vous achetez près de chez vous, ça fait réellement une différence. Puis si on veut garder ces services-là, bien, si on veut garder tout ça, il faut les encourager. Moi, je trouve ça absolument important, l'achat local. Là. C'est essentiel. Surtout chez monsieur, madame, tout le monde. Le problème qu'on a, c'est quand ils n'ont pas l'article, on est ils vont l'avoir, là. Ils vont l'avoir dans 2 semaines, peut-être. Mais on est tellement pressé qu'on s'en vire de bord. Là, on la jette sur le web. Finalement, ça prend 2 semaines de l'avoir par la poste. Et quand tu l'achètes sur le web, ce que tu ne sais pas, c'est aussi... T'as pas de service. Ben là, non seulement tu n'as pas le service, mais tu n'as surtout pas aussi toute l'information pertinente au bien que tu veux acheter. Je veux dire, tu vas peut-être le payer peut-être un petit peu moins cher, mais en termes de qualité, tu peux te ramasser en tout cas. Il y a toutes sortes de critères. Non, mais des fois, c'est parce que moi, je vois des gens là, faire 1h30 de route monter à Chicoutimi pour économiser 10 piastres. Ben oui, donc, ça complètement calcule ton gaz. C'est ça, exactement. Harmonisation des taxes scolaires, on sait que c'est quelque chose que François Legault veut faire partout au Québec. Je comprends l'idée, là. Mais ici, on me dit que la commission scolaire du pays des Bleuets, ça amènerait une perte de 7 millions en revenus. On fait quoi, là, avec 7 millions de moins, là? C'est pas... Tu coupes dans le transport scolaire. Ben là. Eh oui, c'est là. C'est là-dedans que tu peux pas. Les jeunes vont se rendre à l'école? C'est que... Ça s'inscrit là, dans la gouvernance locale et dérégionalisée. Hein? Ça s'inscrit. Moi, je pense que le vrai débat, là, c'est là-dedans qui s'inscrit. Oui, le gouvernement du Québec est en mesure, parce que c'est lui qui contrôle, en fait, tout le budget relativement à l'éducation. On avait donné à des commissions scolaires la possibilité de mettre
des services adaptés dans leur milieu avec cette fameuse taxe scolaire-là. On sait qu'on l'a majoré, tu ne peux pas aller beaucoup plus loin que cela. Puis là, bien, on veut l'uniformiser. Ça veut donc dire que dans certaines régions, comme ici... C'est certain que la réalité du transport scolaire est différente ici qu'à la Westmont. Bien, c'est exact. Tu comprends? Ouais. C'est ça. C'est ce genre d'éléments-là qui vient... Et c'est le premier pas vers l'abolition des commissions scolaires aussi. Mais qui va organiser le transport scolaire? Qui va organiser... C'est ton ministère à Montréal, à Québec. C'est lourd. Oui, et je pense qu'il y a... quand on regarde cela, oui, il y a un impact réel qui est du 7 millions, OK, pour la commission scolaire d'ici, mais c'est aussi de se dire... Ça veut donc dire que demain matin, collectivement et localement, on ne peut plus se dire « nous aimerions cela, se payer cela ». Ça va nous coûter tant, mais on le fait. Ouais. Là... Tu l'as plus, ça, cette possibilité-là, le gouvernement local n'est plus là. Moi, je regarde les modèles comme en Finlande, là, qui est le meilleur système scolaire au monde, là, reconnu. Et eux, c'est complètement le contraire. C'est de la décentralisation à l'extrême qu'ils font. C'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, c'est ce que les modèles tentent de nous démontrer. Ce n'est pas en centralisant Montréal. C'est parce que quand on le regarde, tu sais, il faut toujours regarder c'est quoi l'efficacité. Tu peux le regarder en regardant ton bilan, OK? Puis si tu es déficitaire, tu dis qu'il n'y a pas d'efficacité. Par contre, si tu regardes ton affaire sur le bilan social, politique, économique, mais tout le bilan social, la réalité socio-économique. Et que tu regardes ton bilan en analysant cela, ta lecture change. Et peut-être que le 7 millions de dollars actuellement qui pourrait peut-être se perdre au niveau de la commission scolaire par cette uniformisation-là, bien, ce 7 millions de dollars-là, je te reviens à ta première question quand tu disais, « Ouais, mais on va faire quoi, là, pour... où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on... on en sera toujours là. » L'analyse d'un investissement gouvernemental ou l'analyse d'un investissement collectif se doit non pas juste de s'analyser avec les revenus, les dépenses et les profits bas. Ça va ailleurs. Ça, c'est certain. C'est ça qu'il faut regarder avec quand on fait ce genre d'analyse-là. Et peut-être que là, on verrait que les commissions scolaires sont encore utiles. On reste dans l'éducation, on reste dans les coupes. LUCAQ, coupé de 4,2 millions. Non, mais c'est beaucoup d'argent, là. Déjà que les universités sont sous-financées, tout le monde le dit, là, on veut couper 4,2 millions. J'entendais la rectrice qui disait « Non, moi, je le ferai pas, je m'en vais aux barricades, je ne couperai pas ça, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. » Mais c'est beaucoup d'argent, là, quand on a besoin, au contraire, là, d'investissement dans l'éducation. On nous a promis de l'investissement dans l'éducation. C'est ça. Deux poids, deux mesures. Je comprends pas. On va prendre ça pour le mettre dans les maternelles 4 ans. Fort probable. Non, mais j'essaie de voir, là, la logique. Il faut que... Tu sais, quand tu es en campagne électorale, tu indiques que tu vas investir, tu vas mettre de l'argent pour pouvoir faire... Et puis que tu te ramasses au pouvoir en disant, bon, regarde, une des premières, on coupe en région. Il ne faut pas oublier que c'est encore en région, là. Oui. On coupe, là. OK? C'est ici, tu as 2 millions de dollars qui ne seront plus dans la région pour être dépensé pour le développement de l'éducation post-secondaire et collégiale, donc universitaire, dans la région. C'est des programmes de recherche qui viennent de prendre pas de juste bord. Des programmes de recherche. C'est ça, mais entre autres, tu comprends, c'est peut-être l'amélioration de tes physiques, de tes salles de cours aussi, tu sais, c'est tout ça. Et c'est à n'y rien comprendre. Honnêtement, c'est à n'y rien comprendre. Je pense que Mme la rectrice a raison, là. C'est à mort au barricade. Mais est-ce que le gouvernement a justifié cette coupe-là? Moi, c'est ça que je n'ai pas réussi à entendre. Oui, c'est ça. Je pourrais malheureusement pas te dire. Je pense que ça fait partie d'une politique globale de dire, bon, ben il y a tel et tel élément. On oublie le principe de subsidiarité, on centralise. Et bon. C'est en plein ça. Moi, je pense que c'est ça, mais honnêtement, je n'ai pas non plus eu vent là, des points principaux qui l'amènent à prendre cette décision.
Maintenant, on s'en va dans la santé. Agrandissement de l'hôpital de Jonquière. Ça a commencé par une ambulance trop grosse. Maintenant, on va tout refaire l'urgence de l'hôpital de Jonquière. Je pense que c'était dû. Hein? J'écoutais Sylvain Godreau qui qualifiait l'hôpital d'un hôpital des années 80. Ah ouais, quand ils ont fait avec le chat, entre autres, des ambulances. Il y a un élément là-dessus. Oui, c'est correct. Nous aussi, on sait que au niveau de l'urgence, pas de l'urgence du bloc opératoire, on en est encore à l'étape là, de faire les études comme il faut pour voir qu'est-ce qu'il en serait. On aurait un retard, semble-t-il, de 6 semaines, qu'on me disait, sur l'échéancier prévu. Et ça, on en est incandu, non pas à la construction, là, mais à la conception. Moi, j'avais d'ailleurs posé la question au lendemain de l'élection aux personnes du CIUS. Le changement de gouvernement, il fait quoi là, dans l'affaire? Et parce qu'on venait d'annoncer aussi 50-quelques millions d'investissements au bloc opératoire à Chicoutimi, ouais. OK, qui a été annoncé en janvier, en février dernier. Nous, je pense que c'est 10 à 16 millions. Là, là, tu parles pour la succursale de la santé. Exact, exact. Alors, ça là-dessus, où est-ce qu'on en était, commence à avoir payé. Ils ont des millions partout. Nous, ça avance au pas de tortue. Et on va-tu venir qu'à l'avoir? On nous dit qu'on va l'avoir parce que c'est dans le cruncher, comme on dit. Mais là, le cruncher, c'est à Québec qui se décide, lui. Là. C'est lui là, qui dit « OK, on y va! » C'est sûr qu'un changement de gouvernement, il y a toujours un peu de ça. Oui, oui, il y a cet élément. Là. Mais on nous confirme que Jonquière, c'est fort probablement dans le même contexte de dire « Bon, ben oui, nos équipements, pas nos équipements, les bâtiments pour accueillir les services de soins modernes ne sont plus trop, trop conformes. Et il faut donc investir, oui, de l'argent pour les rendre conformes. » On a le même phénomène actuellement dans les écoles. Oui. Hein? Puis même en région ici, là aussi. Oui, là. Mais tu sais, on attend trop. Donc, c'est fait. Oui, c'est correct qu'on on annonce les choses. Mais il faudrait aussi qu'on tienne compte, quand on fait ce genre d'investissement-là, d'essayer de voir un petit peu plus que sur le 2 ou le 3 ou le 4 ans qui s'en vient, mais le regarder peut-être un petit peu plus à long terme pour pas qu'on aille toujours long terme, mais on se devra de toujours de rien. Hein? Ah non. Ouais. Ah non, long terme, c'est 4 ans. Ouais. On a souvent parlé ici de patrimoine bâti, de préservation du patrimoine bâti. Oui. Cette semaine, quand même, bonne nouvelle, Arvida a reconnu 7 patrimoniales. Il y en a seulement 13 au Québec. Là, on parle du Vieux-Québec, de Gaspé, des choses comme ça. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le quartier qui d'ailleurs, tente de se faire reconnaître patrimoine architectural mondial à l'UNESCO. Aussi, ouais. Oui, oui. Ben, ça doit être un premier pas, à l'évidence, pour nous aider à le faire. Toute cette question sur... Parce qu'on a plusieurs débats hein, qui sont venus dernièrement aussi sur la question la maison patrimoine. Bossée, là, on exact. Peut parler de exact. Et c'est pas du patrimoine bâti, tu me diras, mais tiens, on a mis à terre Pointe-Racine. Oui, oui. Mais faisons attention. Là, le village Western, on a rendu un village! Ah, au contraire! Donc ça, tout cet élément-là, lorsque tu as une forme de reconnaissance sur ce type de patrimoine-là, je pense que c'est une bonne affaire. Oui, okay? C'est certain. Ce qu'il faut regarder aussi, par exemple, c'est que quand on a fait ce décret, on fait un tel type de décret, il faut s'assurer qu'il puisse y avoir aussi des sommes publiques qui peuvent être consacrées à la préservation puis au maintien. OK? Ce n'est pas injuste de décréter. Mm-hmm. Il faut qu'on puisse être capable de dire, oui, nous l'avons décrété et nous pouvons être, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation de ce patrimoine-là, de faire en sorte que des sommes puissent être investies, oui, annuellement, là-dessus, pour pouvoir les maintenir. Actuellement, ces sommes-là sont minimes. J'aurais le goût de dire quasiment risibles pour pouvoir être capable d'aider. Alors, je pense qu'il faudra se sensibiliser à se dire, oui, lorsque nous disons que tel type de site, de rue ou d'ancienne collectivité devient dans le patrimoine bâti, il faudrait qu'on se dise, oui, bon, ben, demain matin, il faut aussi que je m'assure qu'il y ait des sous pour le maintenir, cette décision-là, parce que tu peux le laisser dégrader, puis il va tomber.
Oui, c'est ça. Faut faire attention. J'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais parler au niveau régional, mais il y a des sujets importants dont je veux parler au niveau national. Donc, probablement, c'est la rentrée parlementaire à Québec. À quoi faut s'attendre de ça, qu'un nouveau gouvernement ait beaucoup de choses à apprendre? Est-ce qu'on faut leur donner 6 mois là, le temps de... Ou on faut s'attendre à de l'efficience assez rapidement? Bien, je pense qu'il y a des débats, il y a des questions, des enjeux actuellement au Québec qui se doivent d'obtenir des réponses assez rapides. Ben, entre autres, là, les signes religieux, là, que la catholicité... Oui, mais lui, ça ne l'est peut-être pas. C'est un vieux débat, mais ça, dans l'agenda, on dirait... Regarde, Améa, que je vais t'amener, le moins là, hein? L'environnement? Non. Ça devrait être le seul qui devrait continuer le plus urgent, c'est lui. Mais je vais t'en amener un. On a des agriculteurs qui, depuis quelques semaines... Ben oui, la gestion de l'offre. L'entente avec les États-Unis et le Mexique sur cet élément-là et la brèche qui s'est faite là-dessus, ouais. Il faut qu'il y ait une réponse. Oh, oui, on va vous donner des compensations. Hey, faut pas que tu oublies que tu dis à des agriculteurs au Québec... Ceux qui font le plus d'heures par semaine. Et non seulement tu fais le plus d'heures par semaine et par mois, ouais, mais tu savais ça qu'aujourd'hui, on dit que tu es au 8 pendant un mois de vacances. Ah oui? Parce que oui, pendant un mois de temps, là... Sinon, tu dis à tes vaches, produis pas là, pendant 11 mois, ça va, mais le 12e mois, là, elle produit pas parce que je peux pas le vendre. Je peux pas le vendre, le lait. Je peux pas, il sera pas acheté parce que j'ai permis aux États-Unis de prendre ses vaches et de les envoyer chez nous. Ça, là, c'est des préoccupations que je pense qu'il faut qu'on arrête. Oui, nous allons être les... nous assurer que... nous assurer que, là, il faut que tu sois aussi redevable devant l'Assemblée nationale puis dire aux gens, aux autres députés puis à la population, et voilà, on vient d'essayer ça, ça n'a pas marché. Il faut qu'on réessaye autre chose. Dites-nous-les, qu'est-ce qui se fait, et arrêtez de nous dire qu'il va se faire quelque chose. Ça, c'est important. Tu comprends que l'ouverture de la session puisse se faire quand même assez rapidement. Il y a des questions urgentes sur lesquelles le gouvernement se doit de prendre, oui, des positions et les afficher et les faire connaître à la population adéquatement. Puis le seul moment, c'est via les débats à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être... peut-être un peu moins pressant, comme on dit. Bon, on parle de la réforme du mode de scrutin. Il faut que les balises soient mises dès à présent. Oui, il faut commencer si on veut que ça soit fait dans 4 ans. Si on veut, exactement. Tu comprends? Ouais. Y aurait-tu pu le faire après fête pour commencer ça? Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait des réponses qui soient données rapidement sur des enjeux qui sont là. Il faut arrêter de dire, tu sais, j'entendais... Québec solidaire qui dit pour la question de l'agriculture, tu sais, seul l'indépendance du Québec peut le régler. Il faut que ça se fasse. C'est ça, il y a une problématique maintenant. Quel est le vote que tu vas faire sur l'indépendance? Il n'est pas là, là. Or, c'est véritablement quel est l'élément de solution qui va permettre de faire en sorte que les producteurs laitiers au Québec ne soient pas obligés de se retrouver un mois par année à dire à leur vache de pour faire de lait. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis bien... C'est une image, là, mais c'est clairement plus important que de monter l'âge légal de 21 ans. Entre autres, aussi. Quelle perte de temps. Oui, puis non seulement ça, mais pour faire quoi? L'âge légal, c'est qui? Quel gouvernement va prendre la décision de dire que c'est 21 ans? Le Québec? Non. Mais de toute façon, on n'a pas cette gestion-là, c'est le fédéral. Ce qui est absurde, c'est que c'est la sensibilisation par les gens qui vont y avoir accès, qui vont régler des problèmes. C'est pas si on veut enlever le marché noir, il faut permettre aux... En tout cas, c'est une autre question. Le débat est assez complexe là-dessus. Mais la question de dire, ça n'est peut-être pas, à mon esprit, à moi, là, en tout cas... la priorité numéro un, mais il y a d'autres choses qu'il faudrait... Il y a des trucs que plus importants que ça. Et ça permet aussi, et c'est là qu'on parle du rôle de l'opposition. Oui. Le rôle de l'opposition est d'amener le gouvernement en place, non seulement d'obtenir des réponses, mais que les actions se fassent et exiger que ces actions-là se fassent. Je peux pas... C'est pas vrai que c'est juste parler, faire de la politique.
C'est agir. Caroline, c'est aussi agir. C'est parce non seulement parler, agir. C'est facile, mais ben, agir, c'est plus complexe. C'est agir. Et quand on dit, ben, je prends telle action, oui, il va y avoir des critiques qui vont s'amener sur l'action que tu as décidé de prendre, mais au moins, tu en prends une. Oh oui, non, 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 c'est mieux une mauvaise décision assumée que pas de décision puis de tergiverser pendant 5 ans. Là. Exactement. Bon, ben moi, c'est pour ça que je pense que... Faut que ça s'enclenche rapidement. Et ça s'enclenche, puis qu'on sache où est-ce qu'on va s'en aller, qu'est-ce gouvernement. Oui, faut qu'on accepte les erreurs, mais au moins qu'on le sache, parce que là, c'est ça. OK. Oshawa, fermeture d'usine GM. Écoute, c'est 15 000 emplois sur la planète, 2500... Ça, c'est la compagnie de laquelle on a sauvé de la faillite il y a 10 ans. Hein? Exactement. Oh, mon Dieu. Et l'industrie forestière, ça fonctionne encore, ça? Il paraît. Il paraît. C'est choquant. Oui. Ben, regarde. Bombardier, dans lequel nous sommes probablement le plus grand des actionnaires. Ah, embarque-moi pas ce Bombardier, là. Ouais, mais regarde, ils viennent de couper les autres aussi, là, 2500. L'Ontario, on coupe 2500 emplois à Oshawa. C'est pas bon. OK, j'aime pas ça. Non. Par contre, là, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver notre industrie automobile au Canada, puis qu'on sait qu'il est en Ontario? Hein? Qu'est-ce qu'on. Ça trouve. Ben, là, il faut qu'on bouge. Puis on va peut-être mettre de l'argent public. Nous, là, quand ça a été le temps de dire à Bombardier, là, OK, oui, je te mets de l'argent pour t'aider à te sortir du problème de la C-Series où ce que tu avais donné, investi. On l'avait donné, ils l'ont vendu. Et là, non seulement ils ont fait ça, mais ils ont dit aussi, le fédéral a dit quoi? Donnez-vous des bonus. Le fédéral a dit, est-ce que, oui, on est peut-être prêt à investir à hauteur de... Un milliard, mais on vous fait un prêt. Les conditions du prêt sont... Bien, on a vu ce qui est arrivé avec le prêt qu'on a fait aux automobiles il n'y a pas longtemps. Exact. Tu comprends? Ils veulent sauver, oui, les 2500 emplois. Il faut qu'ils se fassent quelque chose pour aider à faire ça. Comme les 2500 emplois chez Bombardier, il faut aussi qu'ils se fassent quelque chose. Tu ne peux pas juste sacrer de 2500 familles de même sur l'aide sociale. Là, ça ne trouve même pas de bon sens. Après ça, on va dire il y a trop de monde sur l'aide sociale. Ben oui, ça, il revient tant. Il s'en vient. Alors, oui, il faut, mais où je trouve, c'est que pourquoi est-ce que quand c'est le temps de sauver l'industrie automobile qui est en Ontario, là, tout le Canada, et oui, ah ouais, on y va, puis il faut qu'on les sauve, puis nous autres, quand c'est le temps de regarder, je regarde encore Bombardier, mais si tu veux, je te dis, Bombardier, c'est quand même l'industrie aéronautique. Au Canada et au Québec, elle est ici quand même, là. Ça okay. Reste... Et là, ben ouais... Moi, je les allais... Tu peux dire, ouais, ben regarde, il nous coupe 2500 ans. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Ben, tu peux même pas aller dire, achète ton avion ailleurs. Non, moi, là, c'est... Écoute, ça m'horripile, mais j'ai une partie de la réponse. Parce que tu sais que pour un gouvernement fédéral, pour remporter majoritairement le Canada, ça te prend obligatoirement l'Ontario. Avant, ça prenait l'Ontario et le Québec. C'est plus le cas maintenant. Harper nous l'a démontré. Mais ça te prend l'Ontario, et c'est pour ça qu'on les ménage tout le temps un peu, sauf bien sûr les franco-ontariens. Qui, les gens viennent d'en goûter une bonne. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, en fait, ce qui m'écarte dans tout ça, là, c'est que si on faisait le dixième de ça par rapport aux anglophones du Québec, écoute, on serait en cour martiale. Ben là, oui, t'aurais les 9 autres provinces qui seraient contre toi. Ouais. Hein? Et en plus, t'aurais le fédéral. Donc, t'aurais 10 gouvernements sur le dos. Parce que ça s'en vient au Nouveau-Brunswick aussi. Oui, tu vas l'avoir avec... C'est des gouvernements unilingues qui gèrent dans un pays que l'on dit bilingue. Et quand c'est le temps de regarder ta colonne de chiffres puis ta colonne de dépenses et de revenus, et puis que tu te dis, ah, gars, je suis déficitaire de tant de milliards dedans. Ah, si j'enlevais 500 000 piastres là-dessus, là, sur 50 milliards, je vais le couper, je vais réussir. Il prend 500 000 $ qui coupe. Et qui fait mal à toute une collectivité, qui est ces francophones chez eux, OK? Et le déficit sur lequel ils s'attellent, c'est 25 milliards, je pense. Il me semble que c'est 25. C'est ridicule. C'est pas des mesurettes que tu faut que tu fasses. Par contre,
faire en sorte que le fait français en Ontario puisse continuer de se développer et être vivant, oui, encore là, il faut que tu investisses ben oui. de l'argent public, pas que tu la coupes, cet argent. Donc, ce que tu dis, fini, le français en Ontario. Là, il va rester un de l'anglo au Québec après. Ouais. Moi, là, je tiens à féliciter la députée conservatrice d'Ontario qui s'est levée contre son parti pour dénoncer ça. Parce que je trouve qu'un des problèmes de la politique au Canada, c'est vraiment la ligne de parti. Ouais. Et elle, elle a osé se lever pour défendre ses valeurs. Et moi, je l'applaudis, tiens. Elle ne m'entendra jamais, mais je trouve ça brave. Et quand on parlait d'action, elle a posé une action claire. Exact. C'est pas caché en arrière de la ligne de parti. Elle a clairement défendu un point de vue qui est très pertinent, en fait. C'est sur son avenir politique maintenant que tout va jouer. Ah, ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un autre Il reste que c'est ça aussi, faire de la politique. C'est d'être capable d'avoir, oui, des principes et des... Là, le principe avec lequel on est aux prises avec, c'est comme je te dis, la colonne des plus puis des moins. Non, ça, et quand on fait de la politique en gérant exclusivement même, tu sais, des décisions comme ça, avec des conséquences sociales, des conséquences humaines aussi. Ben oui. Regarde, c'est une question identitaire. Le franco-ontarien, il s'identifie franco-ontarien. Là, tu lui dis, t'as même plus le droit au franco. Ouais. T'es un ontarien unilingue anglophone. C'est ça, c'est ça le message que tu lui envoies. Oh, il y a plus que ça. En parlant de valeurs, qu'est-ce que tu penses de la loi spéciale pour ramener Poste Canada au travail? On a déjà oui dans ce film-là. Ouais. C'est la 4 ou la 5e loi spéciale depuis 40 ans, là, ah, c'est Poste Canada. On a quasiment toujours réglé les conflits. À Poste Canada. Mais j'écoutais un spécialiste cette semaine qui expliquait que une des plus grandes problématiques à Poste Canada, c'est que toute cette industrie-là là, des envois postaux a beaucoup évolué, mais la différence entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les bureaux, il y a une compréhension différente de l'évolution, en fait, de où s'en va cette business-là là, des envois postaux, et puis qu'on n'est pas capable de s'entendre parce qu'on est complètement déconnecté là, entre les deux parties. On se regarde, je trouve pas ça bête comme élément d'analyse. On peut le voir, effectivement, que le travailleur sur le terrain... OK, qui se ramasse avec des courses de plus en plus. Les colis, c'est surtout ça. Et qu'il rentre, il faut qu'il rentre dans le même temps qu'il avait. Puis si tu n'arrives pas, bien, c'est toute la chaîne aussi qui en découle. Il faut que... Je ne pense pas que la loi, puisse être la solution au vrai problème. C'est une mesure... qui est tampon pour pouvoir permettre à des gens d'avoir son cadeau à Noël adéquatement. C'est vraiment juste une affaire pour exactement, le temps. Exactement. Oui, moi, je trouvais que les moyens de pression n'étaient pas si pires. Une greffe tournante, tu avais ton colis une couple de jours en retard, mais je trouvais que c'était pas si pire, moi. Ben, c'est une bonne idée, en fait, à la place de tout paralyser d'un coup. Oui, mais c'est à se demander si c'est pas si la vraie solution ne repose pas dans le tout ou rien. Hein? Parce que là, il y a un médiateur qui va être nommé, un arbitre, en fait, qui va écouter les gens puis qui va trancher. C'est ça qui va se passer? Bien, ça fait partie du processus de la loi spéciale, à ce que j'ai pu voir. Je me souviens pas quand, par exemple, on ordonne... Je pense qu'on a ordonné le retour... Le retour au travail est obligatoire, mais je pense que le médiateur rentre après Noël, là, parce que lui aussi est dans des fêtes. Il a acheté ses cadeaux. Il a enveloppé tout ça. Il est fait livrer. Ah, bien, il va peut-être voir la problématique d'un œil différent. Hey, je voulais avoir ton avis sur la course à la chefferie du Bloc québécois à un an des élections fédérales. Écoute, j'ai même été surpris cette semaine d'entendre ça. Là. J'avais l'impression qu'on avait mis la clé dans la porte. Là. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai cette impression-là, en fait, puis ça a l'air que non. Bien, on est peut-être en train d'insérer la clé. Elle n'est peut-être pas encore... Tu sais, à un an, c'est tard, je trouve, à un an des élections pour se mettre en place, non? Non, mais tu sais, la course, ça va durer combien de temps? Je pense pas que tu vas bénéficier d'une couverture à la course, comme si ça avait été... On n'est pas les seuls à en parler. Exact. quasiment. mais ce que l'on va avoir, c'est le fait que pour eux autres, il va y avoir probablement un momentum.
Maintenant, qu'est-ce qui va y arriver? On ne sera jamais capable de remettre 1993 sur les rangs pour le Bloc québécois. OK? Et on se souviendra qu'à cette élection fédérale-là, on s'est retrouvé opposition officielle au niveau du. Mais je pense que personne n'avait vu venir. Là. Même eux autres. Ben, non, même eux autres. On devait être une couple de gars et de filles qui allaient défendre. Mais t'as pas l'impression qu'on va faire une course à la chefferie? Puis là, on va élire quelqu'un qui va être le candidat d'une gang, pas d'autre gang, puis la chicane va repartir. J'ai l'impression que c'est juste ça, le Bloc québécois. Oui, bien, le Bloc québécois, là, c'est le gros du problème, là, hein, c'est que c'était un parti politique qui se devait d'aider à faire les négociations pour l'indépendance du Québec. Et une fois que ça a été fait, on s'en allait chez nous et on n'avait plus rien. C'était un parti voué à mourir. OK. Oui. Moi je pense. Ben oui. Moi, parce que quand que on l'a dit, ça. À un moment donné, il y a eu un gars, celui qui a été le chef... j'ai encore un problème de mémoire. Celui-là qui était le Gilles Duceppe. Gilles. Bon, merci. Lorsque Gilles Duceppe est arrivé et qu'il a fait valoir, écoutez, là, il faut aller défendre les intérêts du Québec à Ottawa. On était dans un contexte où, effectivement, il y avait encore certaines problématiques constitutionnelles. Surtout dans un gouvernement minoritaire. C'était quand même un levier politique. Et là, ce qu'on a fait en sorte, là, c'est qu'on a dit, écoute, on n'a plus besoin de parler de l'indépendance du Québec. On n'a plus loin. Hein. Regarde. On a des chiens de garde, là, voilà. Hein? Eux autres, ils vont parler de eux autres, ils vont y sauver nos droits, hein? Eux autres, ils vont y faire reconnaître nos droits, ils sont là pour ça. Puis c'est là-dessus qu'on avait... Alors, on les a donné un sursis. On a donné un sursis à Lorient. Et là, de plus en plus, on s'est ramassé en se disant, bon, bien, on a élu des conservateurs à Ottawa, on a élu des néo-démocrates à Ottawa. Les libéraux. On est revenu un peu avec quelques libéraux. Là, on est moins sûr qu'on l'a déjà été, ces libéraux. Mais ça a permis de faire en sorte qu'on n'a plus de place là, pour la chienne garde. Parce qu'on nous amène le discours, c'est bien mieux être à la table des décisions qu'être en dehors de la table des décisions. Mmh. Ça, c'est le discours aussi qui revient. D'ailleurs, on l'entend lors de cette campagne électorale-là. Et ça amène le fait que, oui, non, le Bloc québécois, est-ce que c'est devenu du folklore? Dans mon esprit à moi, je te dis que oui. OK, dernière nouvelle. J'ai le goût d'en parler de ça parce que moi, j'ai toujours trippé sur. Je fais de l'astronomie amateur. Et puis, hier, on s'est posé sur Mars. Oui? Ben oui. La NASA a envoyé une sonde, là, écoute, on s'entend qu'il n'y a personne dedans, mais qui s'est posée sur Mars et puis qui va mener des recherches. Mais tu sais, parce que l'idée d'envoyer un homme sur Mars, c'est dans les cartons pour le milieu du 21e siècle. Et puis, je sais pas, ça me fascine, moi, de penser ça, là, que là, en ce moment, on a envoyé. Puis après ça, ça va être quoi? On va-tu aller sur Vénus ou ailleurs? Ben, Vénus, je n'irai pas, c'est trop chaud. Trop chaud. Il y a plein de monde qui paye pour aller dans le sud. Mais honnêtement, c'est le génie humain, le génie humain nous permet aujourd'hui de se dire oui, on est capable. À marcir. Oh, ouais. On est capable d'amarcir. On vient de voir. J'ai pris dernièrement là, un film sur. Apollo. Oui. OK, le premier homme sur la Lune. Ça fait pas longtemps, ça. Ça fait pas longtemps. À l'époque, là, la technologie qu'on a utilisée pour envoyer un homme sur la Lune, aujourd'hui, ça rentre dans un téléphone intelligent. Exact. C'est fascinant. Exact. Et on se souvient les. C'était un building, l'ordinateur. C'était un building pour pouvoir faire ça. Je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose. C'est une victoire du génie humain. Là. Il faut qu'on y aille. Oui. Bien, en parlant d'y aller, merci beaucoup, Jules, d'avoir été des nôtres et puis de nous avoir partagé. On n'a pas eu le temps de parler de Trump encore. On va sûrement avoir le temps d'en reparler avant la prochaine élection américaine. Merci, Jules Simard, d'avoir discuté tout ça avec moi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Si vous voulez réagir, vous pouvez aller sur notre site web ou sur notre page Facebook pour donner votre opinion sur ce qu'on dit. Hein? On n'a pas toujours la vérité, mais au moins, on en débat et c'est sain, le débat en démocratie. Bonne semaine.
Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Si tu prends ça, tu peux finir ta soirée ici. Ou là. Ça dépend si tu prends ça. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Roues. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Si tu prends ça, tu peux passer du temps avec tes amis ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100 %. Réalisez-vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Ça aurait été bien plus facile. De faire comme si j'avais rien vu. Tu continues à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je pense tout. Arrête, est bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble... Ensemble? On est plus fort que l'intimidation. Si tu prends ça, tu peux te retrouver ici ou là. Ça dépend si tu prends ça.